Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sauberie. Et je rigole déjà parce que voilà, je m'en doutais, hein, comme d'habitude. Je laisse parler. Bonjour la YouTube, famille, venez sur Twitch, on est bien deux cœurs. Ils sont, au moins ils sont gentils, tu vois. Ils sont Bonjour gentils. YouTube, agent 21 Kitty Corn. Un Kitty Corn. C'est pas souvent voulu utiliser celui-là en même temps. Ça a été le premier. Hein. Coucou YouTube, Voilà. suçons la vôtre, suçons la vôtre, suçons. Suçon. Donc, je suis désolée, mais le jeu m'a avancé vachement fort. Salut les copains à la compote de la rediff. Le jeu m'a vachement avancé. Il est déjà 7h34. Les gosses vont bientôt aller à l'école. Pendant le temps de chargement, en fait, il m'a avancé le Bonjour temps. YouTube. Donc, je peux rien faire. Donc, elles vont déjà se lever pour aller à l'école. Bon, remarque, elle. Oh si, tu peux aller prendre ta douche, prune, prune. Lavande. Lavande, tu vas aller manger un truc? Oui, alors, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes sur le Note Sauberry. Bon, YouTube, il est au courant. Mais pour le chat de Twitch. Toi, tu vas prendre ta douche, toi aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que nous avons des prénoms en rapport avec le coloris prune. Et nous avons Nunu, notre petite nuage national. Oh punaise, comment ça ronfle dans la baraque là? Qui sont en train de faire dodo parce que bah les générations grises quoi. Donc, on avait eu une promotion avec Nuage la semaine dernière et on doit encore atteindre 2 niveaux pour finir en tout cas sa carrière parce qu'on n'est pas encore au niveau 10 du chant et en éducation non plus. Il y a toujours à bosser l'éducation quand même, hein. Et le chant, ah, le chant peut peut-être terminer aujourd'hui. Ce serait pas mal. Salut Oscar, comment tu vas? Voilà. Et puis après, ça va aller à l'école. Et la petite... Ah ben non, bah si, Prune va devenir ado dans 2 jours. Elle est pas encore en train de clignoter. Je pensais qu'elle allait clignoter, mais en fait, pas du tout. Bah écoute, tu vas te faire des amis. Lila aussi. Et toi? Mais non. Ah c'est vrai, est-ce que vous avez encore vos spaghettis qui bug, vous? Parce que moi j'avais les spaghettis qui buguaient la semaine dernière, donc. Elle va à l'école. Voilà. J'allais dire, il tape dans le gâtal, mais je crois que c'est bon. Il était déjà entamé. Et notre ami Adonis. Putain, il a pris du poids. Voilà, la lavande, elle est partie à l'école. Elle va se faire des amis pour se trouver des futurs maris, peut-être. Adonis, il est quoi, niveau 5? Ouais, après lui, c'est juste pour revoir à peu près la carrière, mais il y a rien d'exceptionnel. Est-ce que tu travailles? Il travaille pas! Il va pouvoir faire un peu de sport, un peu. Ce sera pas mal pour lui. Un chat licorne en émote, c'est pas fait pour moi. Bah, tu sais, ici, c'est beaucoup licorne, c'est beaucoup chat et c'est beaucoup cul aussi. On est très axé sur les fesses. Parce que petit cul, c'est le nom de mes abonnés. Et pourquoi petit cul? Parce que c'est à cause de mes chats. Parce qu'ils ont des petits culs de chat adorables et que j'adore leurs petites fesses, là, petites arrière train tout ça. Mais je crois que t'as un chat toi aussi, de toute façon. T'as pas de bug pour les spaghettis? Mais moi j'ai eu le bug spaghettis dans notre Sauberry et pâte au macaroni au fromage dans le Legacy. J'ai des assiettes en fait qui nourrissent mais qui ne finissent jamais. Ils finissent jamais leur assiette, ça reste toujours complet. C'est très bizarre. Il est gros et musclé en même temps. Mais oui! Ah bah écoute, tu vas me réparer, hein. Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que cette attitude là, quand même? Mon Nunu, t'as assez dormi? Tu vas être lavé. Non, tu vas chanter sous la douche, excuse-moi. Puis t'iras manger. La belle Nunu, regardez-moi cette beauté. Il est bite. Quoi? Oui, bon, dit comme ça, on va croire que je suis une perverse après. Ça, t'as bien suivi. Moi, c'est pas mon petit cul, c'est ma grosse pépette. Ah ouais, mais moi, c'est mes petits. En fait, c'était mes chats, j'appelais les. Oh, mes petits culs de chat. Et je sais pas comment c'est venu pour. Je sais plus comment j'en suis arrivée à appeler mes abonnés comme ça. Je trouvais ça mignon en fait, j'aime trop. Parce que mes petits culs de chat, ils sont trop choux. L'avion en origami! On va attendre la récréation. Quand même. Alors, elle a rencontré Axel.
Oh, tout est à refaire, donc je suis sûre qu'elle va être tristesse. Quelle vie compliquée ils ont ces enfants, c'est incroyable. Ça va, Nunu? Un bon petit gâtal du matin? Voilà. Ah, attends, on va éduquer les gosses. L'empathie. Ça lui fait monter ça, son éducation. Oh bah c'est une nouvelle chef femme de ménage qu'on a? Qu'est-ce quoi? Bah monter l'empathie aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis toi, tu vas aller sprinter un petit peu. Et t'iras faire, t'iras bidouiller. Bidouiller. Voilà, t'iras bidouiller un petit peu après. Et Nunu, bah comme d'hab, hein, elle pense à sa mère. On va faire du chant. Je sais que vous aimez absolument quand je chante, hein, Et je suis en vacances, au fait, je suis la joie. Eh ben bravo! Qui c'est qui est en vacances? Ben oui, Marie, t'es en vacances. On va éduquer les gosses. Si Bah oui, il est-ce la faut. même Alceste mis une perruque? C'est la même, elle s'est mise de perruque. Non. Bah elle a pris du. Elle est vieille hein, maintenant là. Enfin elle. Enfin, elle est vieille maintenant. Chou! Chou, elle a pas bossé beaucoup, hein. Elle est déjà repartie. Nous avons du courrier. Ah, oh, c'est vrai que les factures, 418 seulement. Ça va, c'est pas beaucoup, hein. On était à 5000 avant. On est baissé à 418, ça va, on est tranquille, hein. Pourquoi je n'ai pas le petit cadeau à côté de mon pseudo? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ben maintenant, il y a ma mère qui dit lol, j'en peux plus. Moi je les connais les chansons Sims, vous croyez quoi? Je m'entraîne tous les jours moi. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah lui il court. Mais c'est vrai qu'il s'est épaissi en fait. Voilà, il en a marre. T'as pas encore perdu du poids, Coco? Parce qu'il était beaucoup plus fin que ça, hein. Je sais pas pourquoi il est devenu tout gros et baraque là. Pendant ce temps-là, t'as Nunu qui chante. Je suis un peu fatiguée, donc si je suis pas active ou réactive dans le chat, vous mène, voudrez pas. Non, t'inquiète, t'as tout. T'as trouvé la part de tes rêves. Mais oui, elle déménage ce week-end. Enfin, je raconte sa vie, moi, je sais tout, hein. Je trouve que depuis la mise à jour, les factures sont plus réalistes. Ben, je vais m'éloigner un peu parce que sinon, je m'entends pas. Elle crie fort dans mes oreilles. En fait, oui et non, parce que tous les terrains sont à base de 300 simflouz. Ils auraient dû faire un truc proportionnel à la taille, en fait. Mais bon, passer de 5000 à 400, c'est un gouffre. Hein. Ouais! On a encore du taf hein, pour aller rêver au niveau 10. Hein. Ça monte pas beaucoup, hein. Eh, toutes les semaines vous avez droit à ça, ça doit être chiant en force, hein, en fait. Non? Franchement, on revient de loin, elle a une belle voix maintenant. Apple Ney, Apona, Apple Ney, Apona, là-dessus. Je connais pas les paroles, hein. Nunu la belle gosse, c'est ça. Bon, tu montes en skills ou... Bah, soit elle travaille à 14h, hein, donc je peux la faire chanter longtemps. Hein. Et t'es torride. Beauté classique. Ce chant, ça vous saoule, hein, donc. Bon, bah... ouais, mais les chansons qui durent 3 heures, c'est pas possible, en fait, les Sims, là. T'auras pas le temps de faire les autres, hein. C'est pas grave, on l'a déjà faite celle-là. Apple Ney, Apple No.
on n'a pas fait la mienne, ma préf. Toi, tu m'as déjà bouffé, toi. Tu te dis, moi j'ai la dalle. Moi, il a la dalle. Putain, vous avez laissé pourrir le gâtal, quoi. Mais non. Mais depuis quand? Je chante trop bien. J'ai l'impression qu'on a beaucoup... Attends. Qu'on a beaucoup plus avec une nuit âge. Quoi? Qu'on a beaucoup plus avec nuages quand on a joué avec Bordeaux, Poulco et Pepper. Tu parles de quoi? C'est plus long? T'as pas... Ah bah ça y est. Si elle doit... Elle doit faire des pompes. Non, cocotte, tu vas aller pisser? Ah, mais attendez, moi je la fais peut-être bosse. Mais elle travaille pas aujourd'hui, Jean-Pierre. Mais alors, je suis trop nulle. Elle travaille pas. Je vais vous laisser la mère qui dit lol demande mon attention. Je raterai le miam. Bisous la piticue. Cœur, tout à l'heure. Suçon, Love Hotel. Love Hotel. Ok, pas soldat, pas de soucis, des bisous. J'ai fini la mais je vais en recommencer un sans toutes les contraintes. Et cucu les petits cul fans cucurbitacés. Salut Ricardo, comment tu vas? On a réessayé, le Ricardo il veut pas parler. Hein. On a mis Enrique à la place. C'était sympa, mais voilà, on est repassé à Chantal parce que Chantal quoi, tu vois. Chantal c'est la famille. Merci Aimé pour le follow, bienvenue à toi. Et bonjour, je te vois dans le chat. Oui, elle va inviter Emily, oui. Et Yann, ah oh, oui. Et Yann, c'est le cousin? Oh non, projet scolaire. Zut. Bah, c'est... Non, si c'est bien comme ça, la maman, elle va pouvoir les tester. Regardez-moi, c'est... T'en as une qui est désespérée. Ouais, mon avion, il est plié. Il y en a une, elle va bien. Et il y en a une, elle fait... j'en ai marre de la vie. Voilà. Ils sont où, vos amis? Je suis sûre que c'est le cousin qu'elles ont ramené. Qu'est-ce qui se passe? Mini Rainbow. Mais Mini, tu me casses les pieds un peu. Alors, toi... Tu vas aller te donner des paroles d'encouragement. Toi, tu vas aller te faire prendre une douche puis manger. Et toi, tu vas aller, bah, tu vas aller à l'étage pour pisser parce que tu vas pas pisser en même temps que ta sœur. Ça va faire un drame. Voilà. Ça, vous me faites ça. Après, on travaillera sur le projet scolaire. Ah oui, c'est le cousin. Ah bah, il a pas l'air d'aimer son tonton. Quittons le gazon. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? On va être reparti. Remarquez, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas été voir la chanson. Hein. Ah, ça fait l'impression qu'on est sur du nuage. J'ai l'impression aussi que ça traîne en longueur, là, le Not So Berry. Je pense que je me perds en... Je n'arrive plus. Je sais pas. Je suis trop lente, peut-être, maintenant. Ok, Morgane, pas de soucis. Tu fais ce que tu peux. Pardon. Tant mieux que c'est cool, écoute. Ma... Alors, toi, tu vas chanter. Tu vas. Non, pas jongler. Non. Ah oui, tu voulais appeler ta soeur. On s'en fout. Tu vas chanter. Faut aujourd'hui, finis le chant, s'il te plaît. C'est bon? Qui c'est qui. Oh putain, elle a cassé les chiottes. T'es chiante aussi, toi. Tu fais quoi, toi? Ah, tu parles avec ton... Oh, putain, il est vénère, comme d'habitude. Essaie de se calmer. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a des gamins qui viennent dans mes maisons, ils sont soit très, soit énervés, soit tendus, soit... Il n'y a jamais rien qui va, quoi. Que ce soit enfant ou ado. Oh! Mais pourquoi tu traînes en slip, toi? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Émilie? Bah, Émilie! Ah oui, elle a les bottes roses, donc forcément, c'est une fille. Mais Émilie, c'est... Non, enfin, je te conseille pas de... quand même. T'as des yeux marrons. Mais pourquoi ils ont tous des yeux marrons? Bon, je vous rassure, j'ai vu Marie aujourd'hui dans la vraie vie et je l'ai engueulée encore une fois pour ses yeux marrons. Voilà. Ça, c'est fait. Maman, il y avait 2 lives par semaine. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps, t'as tout. Hein. Je suis passée à 1 live maintenant par semaine parce que ça fait... Puis là, on n'avait pas fait depuis deux... Il y a 2 semaines, on n'avait pas joué. Mais regardez-le, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas te calmer? Tu peux calmer ton cousin? Comment qu'on calme? À part lui foutre un coup derrière la tête. Ça calme tout le temps, ça. Ça, c'est pas mal, ça marche bien. Tu peux pas me calmer?
Révéler une brillante invention. Je confirme, je me suis fait rouspéter, tout le monde nous regardait. Oh, oh genre! Il n'y avait personne dans le parc en plus. Il n'y avait absolument personne dans le parc. Ça, on était cool. On a pu bitcher sur plein de gens. C'est pas vrai. Fais voir le petit... Mais tu l'avais pas déjà vu, Marie, le petit Anne? C'est le fils de... Du coup, bah ouais, c'est le fils de Nuage et ton Sims. Bon, il a les yeux marrons, hein, c'est pas étonnant. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vite fait relooker la fille de Perle. Parce que franchement, comme elle a débarqué la semaine dernière, elle était dégueulasse. J'ai été lui changer vite fait sa... Alors, sa coupe de cheveux, je crois. Mais j'ai... Je crois que j'ai changé sa tête, un petit peu. Mais j'ai pas changé son look, hein. Je lui ai laissé les fabuleuses chaussettes qu'elle avait. Bah, écoute, toi, va bidouiller. Tu dois augmenter ton... Après, c'est pas indispensable, mais... Tant qu'à faire, on va le faire. Hein. J'ai envie de dire. Pruprune, Pruprune. Allez, il fait beau, vous allez faire votre truc scolaire. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Et tu vas demander à ton cousin de venir. S'il veut venir, il va venir. Comment ça vous faites des meet-ups sans nous? C'est Marie qui m'a demandé. Hein. Elle m'a forcé. En plus, j'ai dû prendre les transports, t'imagines-toi. Est-ce que quand on aide au projet scolaire, ça fait monter l'éducation? On arrive à presque 9,5. Hein. Oh! Qui c'est qui a pété? Oh, bah, c'est elle. C'est Émilie qui a pété. Alors, si vous appelez Émilie, je suis désolée, mais j'ai forcément un a priori sur vous maintenant. Pas de soucis, Guillaume, des bisous! À plus! Pas de soucis, bon legacy à toi. Genre, je t'ai forcé. Oui, tu m'as pris par les sentiments. Mince! Union des gourmands a reçu le plus de votes dans la communauté. J'ai complètement oublié qu'il y avait les votes et tout. J'ai pas pensé. J'ai pas fait gaffe qu'on était... Oui, qu'on était lundi, mais... Oiseau chanteur de luxe. Tu t'avais été à 9,5 quand même? Ouais. Allez, go, tu arrêtes de chanter, tu peux aider ta fille, stop. Je vais voir si ça aide à son éducation, sinon, eh ben... Oh, les manières ou les manières? Bah, les manières. L'empathie diminue, bah super. Alors. Non, c'est la physiologie. Bon, bah, tu fais pas. Non, mais si tu améliores pas, on s'en fout. Vas-y, arrête. Elles vont se démerder toutes seules, les gamines. Je suis horrible. I am horrible, parce que c'est comme ça. Non, non, mais on va pas perdre de temps, là. Ça fait 10 ans qu'on est avec Nuage. Après, on a eu des hommes avant Nunu, donc peut-être que ça a aidé, hein, qu'ils étaient plus performants, j'en sais rien, moi. Hey, tu vas chanter hop. Au shaker, pas la cuillère, Arthur. Cuillère. La house pour ton amour. Et de la country, pays du nectar. Allez, vas-y. Va chanter. Ouais! Mais non. Mais il a mis un sac. Mais c'est pas les sacs qui ont gagné. Fiche, trop diantre. Viens à Paris, on se fera un Burger King, exactement. Bah écoute, je ne sais pas. Bah, là, c'était l'union des gourmands, donc je pense pas qu'il y avait ça. J'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. Bah oui, ils ont les... Oh non, on va devoir mettre des sacs. Oh non. Mais elle se balade en slip, quoi. Mais c'est horrible. C'est pas possible, regardez-moi ce... Cette pauvre enfant qui est affublée d'un sac sur la tête en débardeur et en slip avec des bottes. Non mais... Et après, je veux dire, quoi, il y a des pervers dans... Oh non, il n'y a pas de pervers dans les Sims, mais... Wow, c'est ma chanson. Arthur, pas changer assiette pour fromage. Arthur, j'aime les salsifis. J'apprécie les fruits en sirop. Après une crotte, c'est paix. Désolé, sorti tout seul. Ok, d'accord. Temporairement, dit recordat.
Voilà et Bensa par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Ouais, j'avoue. Mais oui, on peut. En fait, je savais pas que c'était cumulable, moi, c'est avec mon let's play que j'ai découvert. Je me dis, attends, ça tient encore en route, ça? C'est beaucoup quand même, 4. Hein. Alors, elle a terminé son projet scolaire. En même temps, c'est bien ça, même si elle est moche. Eh ben, on verra pas. Non, tu vas l'aider ta sœur et toi, tu vas demander à ton cousin. Qu'est-ce que t'es en train de faire, la vente, là? Je te vois faire des conneries, là. T'as dit des saletés, là. Ça, j'ai le nez qui gratte, ça faisait longtemps. La classe de ouf. Putain, pour un moi. Mais sérieux, sire, vous savez pas ce que ça veut dire, côtelette? Mais bien sûr que si. Ces mots savoureux, vous connaissez pas? Zamboulé, Zamboulo, qu'est-ce que t'es arrivé, toi? Tu te fais mal, bichon. Allez, va courir. Mais toi, je t'ai demandé de le mettre dans ton truc, en fait. Mais bon, c'est pas grave, je vais le mettre moi-même. Ah, le cousin, il discute, hein. Fais chier! Avec leur plan d'action, là. Allô, vite fait depuis le métro. Ça pue. Bisous à tout la cucu. Suçon, suçon. Singe de la sagesse muet. Singe de la sagesse aveugle. Singe de la sagesse sourd. Salut Banner, comment tu vas? Bon courage pour le métro. C'est pas faux. C'est entré dans les mœurs, hein, c'est pas faux. Courage hein. Banner. Tout à fait. Ouais, on va aller voir le niveau 10. Enfin, dans 40 chansons. I'm bully, I'm below. I'm bully, I'm below la tue. Allez, ma nunu, tu nous fais brûler le dance floor. Compétence 5 de la créativité, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, ça va. La responsabilité augmente, c'est parfait. Elles sont sages, ces petites. Moi, ici, tout le monde charbonne. Hein. Y a personne qui se repose. Hein. Notre Sauberie, c'est charbonnage. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Voilà la responsabilité de Lila. Ah ouais, le coin-coin, ça, c'est ma préférée aussi. J'ai tellement hâte de voir les jumelles en ado. Voir qui sera la plus jolie des deux. Bon, on n'est toujours pas décidé sur comment on va élire la future héritière. Oh là là, j'ai une dure la vie. Bah écoute, fabrique des robots nettoyeurs. Ah merde, il lui faut des pièces. Ah non, il faut une puce informatique, des mécanismes. Oh, il y a encore pas mal de choses à faire en fait. Tu vas fabriquer mécanismes et fabriquer puce informatique. Allez, vas-y. Tu feras un robot nettoyeur comme ça, on n'aura plus besoin de femme de ménage. Donc, faudra toujours que quelqu'un travaille dessus parce que. C'est du boulot quand même à entretenir. Hein. Après, on n'est pas si à la bourre que ça, hein, Nunu. Elle est devenue adulte la semaine dernière. Hein. Donc, on est bien quand même. Là, il suffit juste d'avoir la carrière niveau 10, chant et éducation. C'est tout ce qu'on doit valider. Ah oui, bon, la soirée Netflix et être bons amis avec les enfants. Mais ça. Ça passe. C'est quoi déjà les compétences à développer sur la génération violette? Beaucoup. Je crois qu'il en faut 8 au niveau 8, un truc comme ça. Donc, ah, t'as un super sac, cousin. Tiens, toi, tu vas le prendre. Oh, ok. Regardez-moi ce. Magie noire. Magie noire. Taise-toi, 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 la patte de poulet Satan hérétique. Le répurgateur. D'accord, ah oui. Ceux-là, je me posais la question. Je suis sûre qu'elles vont être trop belles, les filles. Je pense qu'elles vont être trop belles. Beaucoup plus belles qu'elles. Hein. Ça se voit, elle, qu'elle est moche, de toute façon. Je suis affreuse. Je sais que vous allez m'en vouloir. Bon, bah, il s'en va. Hé, tu peux regarder les plans d'action? Je sais pas si les enfants, ils peuvent regarder. Non. Parce que là, comme les parents sont occupés...
Chou. Bon, on n'avance pas beaucoup, mais on avance, hein. Elle va faire ça toute la nuit, hein, je m'en fous, hein. Elle va chanter toute la nuit, hein. J'aime trop quand les Sims hommes chantent pour ton amour avec une compétence chant élevée, je suis en amour. Ah ouais? Parle pas mal de prunettes. Après, on a tendance à confondre prune et prune. Hein. Alors, en vrai, elle a un problème de menton. Elle a un problème de menton. Oui, elle a le menton en avant, en fait. Et donc, elle va avoir le menton trop en avant sur sa... En fait, c'est la seule Sims que quand elle était bébé, je l'ai faite grandir en adulte pour voir à quoi elle ressemblait. Crime, elle fait ça tout le temps. Elle triche, elle. Et moi, je le faisais jamais. Je préfère avoir la surprise. Bah, j'ai essayé avec elle et bah, j'étais dégoûtée. Je dis, je le ferai plus. En fait, elle va avoir le menton qui sort vachement et c'est pas joli. Et effectivement, les yeux marrons ne me plaisent pas. Mais en vrai, le reste, ça passe, tu vois. Mais... Voilà. Les pauvres gosses, ils ont rien à bouffer, ils sont obligés de manger n'importe quoi. Mais comment ça, vous êtes déjà au lit? Mais non, il est... Ah, oui, il est 23h30. J'ai rien dit, vous pouvez aller y dormir, c'est vrai. Il y a que Prune qui mange ses chips, là, pour y aller après. Il est déjà cette heure-là. Maman, elle a pas fini de chanter. Hein. Mais regardez, on arrive au niveau 10! Bientôt. Dans 43 chansons encore. J'adore les chansons. Bah si, elle était là tout à l'heure, Prune. Elle devait se laver aussi, mais je crois que... Je crois qu'elle est peut-être noyée sous la douche, je ne sais pas. Ça lui fait un profil un petit bizarre, son menton. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop. Mais bon, un peu de chirurgie, ça va mieux, hein, mais... Pour l'instant, dans le Note Soberry, on a retouché quasiment personne, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a eu du relooking, mais il n'y a pas eu de retouche physique. Hein. Dans le Legacy ici, parce qu'il y a eu un problème de menton aussi, et de profil, avec Alexandra. Mais pas dans Note Soberry, on a toujours eu des belles meufs ou des beaux gars. Donc la Prune, ce serait la première à être retouchée. Elle a cassé! Oh, bichette! Oh, vas-y, on s'en fout. Tu dois... Oui, j'ai compris. Bah, j'ai compris. Ouais, bah, tu vas rechanter, hein, je suis désolée. Hein. Et t'es torride. Oh, oui. Pop, bonne soirée. En même temps, il n'y a pas 40 000 chansons, donc on les connaît. Hein. Ma préf. Lui, il en peut plus. Écoute, fabrique des pièces encore à mécanisme. Tu bosses à 10h. Ouais, t'as le temps. En plus, là, on a tout bien fait. Il va avoir une petite promotion demain. C'est bien, mon petit Adonis. Je vous fais chier avec les chansons, hein. Vous pouvez me le dire. Hein. De la chirurgie à 12 ans, ça craint... Non, quand elle sera ado. Bah, les ados, en vrai, on dirait qu'ils ont 45 ans déjà. Ah non, 25 ans. Elle a pas pris de la beauté de Nunu. Si, si. Non, franchement, elle est pas moche de face, mais ce sera de profil, moi, qui m'a... Son menton qui m'a dérangé. Mais en même temps, quand on voit la fille de Perle, on est un peu dégoûté, quoi. Hein? Faut être méchante, mais... Pas de soucis, chaton, des bisous à toi. Merci d'être passé, à bientôt. Bah moi aussi j'aime bien avoir entendu. Tchit 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 somon. Wow. What do we do somon? Wow. Je suis désolée. Ah. 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 Tchit 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 somon. Wow. What do we do somon? Wow. What do we do somon? Wouh. Je suis grave quand même, hein. Ah,
Alors, t'en es où? Parce que là, en train de dire des conneries. Eh putain! Putain, tu vas pas dormir cette nuit. Tu vas pas dormir cette nuit. Nuit après nuit, tu vas chanter. Allez, on est à 77, hein. Il nous reste 23%. 20, oui, 23%. Tu me rends qui passe au même moment où t'as chanté sans demander quoi. Merde. Coucou les voisins. On peut mettre la voix d'un mignon aux Sims. La voix des mignons aux Sims. C'est quoi la voix des mignons? Tu connais le code Mozart? Bien sûr, Morgane. Mais je n'utilise jamais. Joue ta country, tu sais. Tu sens le petit côté texan dans sa voix d'un coup. J'adore les tutos de Shirley. Juste tant que vous êtes, je suis pas tout seul à chanter, ça me va. Hein. Mais on va y arriver au niveau 10. Hein. Après, ce sera fini, elle chantera plus. Hein. Enfin, si, pour le plaisir. Quand elle sera une vieille peau. Ah bah si, on se demandait où t'étais, Prune, justement. On était en train de parler de Prune dans le jeu. Allez. Ah, c'est vrai que on fait vite le tour avec les chansons. Hein. J'ai le deck qui regratte de ouf là. Tout le monde est... Il est 3h du mat. Tout le monde est au lit sauf maman qui chante. Ouais, bah quand même, aller dormir, hein. Mais on va y passer aujourd'hui, on passe le 10, hein. Le chant 10, on y est, hein. On y est, hein. Tout doucement. Pardon. Ouais, il y avait plus de musique, cocotte. Non, allez, après celle-là, tu iras te coucher. Quand même. J'ai un peu de pitié pour toi. Mais aujourd'hui, on passe au niveau 10 de la chanson. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, Wonder Lily. Mais ça avance au même rythme. Il y a des chansons qui passent mieux avec leur voix. Ouais, ça se passe. C'est possible. Si j'ai chanté Prune, t'inquiète. De quoi Rocky, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose, mais on chante avec Nunu. Épilogue, c'est dans quel... Bah attends, elle va chanter après encore. Hein. C'est quoi épilogue? J'ai pas... Attends, solo, disco. J'ai pas épilogue. La pauvre, elle est claquée. 4h30 du matin, elle a chanté toute la night. Oh, je pipite, moi. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ah non, ça va pas. Ah si, c'est non. Ah non, je suis fatiguée. Hop là. Les gosses, elles sont parties se coucher. Je les gère. C'est bon, hein, de... Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours ça qui est cassé. Allez, remplace, c'est pas grave. C'est pas comme si on était pauvres. Sachant qu'on a des factures qui sont beaucoup plus allégées maintenant. Ah bah ça y est. Ça se lève en même temps, les jumelles. Elles sont pas pour rien, jumelles, elles, hein, les deux. Alors, tu vas pipi avant, s'il te plaît. Et toi, tu vas manger tout de suite, du coup. Ah, il y avait longtemps. Toi, tu vas manger après. Ah non, c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui va déjà dans le frigal. Donc forcément, c'est difficile de faire la même chose. Des bonnes boulettes de viande le matin, miam. Putain, j'ai ce nez qui gratte, c'est insupportable en fait. C'est bien, elle va aller manger aussi. Prune! Pipi! Voilà. C'est à toi, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait avec le tapis? J'en ai marre de... Je crois que je lui ai mis dans la... je lui ai mis dans son, enfin, sa poche. J'en ai marre de ces tapis qui se baladent là, que tu touches et que tu mets n'importe où. Ça m'agace. Moi, je clique partout et donc je découle les tapis, ils sont à la malle. Hein, donc... Bah, t'es pas trop mal, tu peux prendre une douche.
Et tu vas venir de jouer un peu à la poupée. Voilà, t'as pas besoin de trop manger tout ça. Mais mange-toi. Oui. Toi, eh bien, t'iras exactement faire pipi. Non, pas. Allez, on a une femme de ménage qui arrive. Et tu iras prendre une douche aussi. Faut quand même qu'elle bosse, non, cette femme de ménage? Merde alors. C'est pas possible. Synchronisation des jumelles, c'est ça. Salut. Je vais miam miam hot dog bisous à tutti. Salut Toxic Pink, merci. Oh Maria, mais merci beaucoup pour ton sur ton abonnement. Mais vous êtes fou en ce moment, il y a beaucoup trop d'abonnements. Vous êtes trop mignon. Merci beaucoup. Gros bisous et smiley boo rien que pour toi. Bon app t'as tout. Hot dog, ah la vache. Merci beaucoup. Et pour Rocky, j'habite sur Paris moi. Mais Talé, je connais pas. Épilogue, c'est dans une chanson qui s'appelle... Ah, d'accord, pardon. Je vais regarder. Quand elle va se lever, on va regarder pour la faire chanter. On va te faire chanter. La 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 la. Pas avec moi. Je sais pas chanter. Ça roupille dans la chambre. Sinon, tu peux faire un peu d'empathie, s'il te plaît. Comme toi, tu vas grandir dans un jour. Après, je m'en fous, hein, quelles sont les qualités personnelles et tout. Je veux vraiment pas que ce soit notre héritière, donc je suis désolée. Hein. Ah, mais eh ben non, bah écoute, c'est déjà l'heure de l'école. C'est déjà l'heure de l'école. Lavande part à l'école, bravo Lavande! Lavande et Lila, quand même. Des jumelles. Salut Hello Didi, comment tu vas? Moi, peut-être pour les vacances, peut-être que je vais à Paris où ma maman habitait. Ah, c'est bien! Il y a plein de choses à voir à Paris. C'est une très grande ville. Il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime Paris. D'ailleurs, aujourd'hui j'étais à Paris. Pas très longtemps, mais j'y étais. Ça faisait 3 mois que j'avais pas mis les pieds à Paris. Bon, ça restait en bordure, hein, donc j'ai pas eu cette sensation d'être vraiment dans Paris, mais. ça fait du bien, quoi. Au moral, tu te dis, oh bah franchement. Waouh! Tu vas aller bosser, Adonis, mais t'es dans sale état là. Je l'ai laissé à l'abandon ce mec. Allez hop, douche pipi. Tu peux pisser dans la douche, hein, ça pourrait être bien, mais. Et t'iras manger. En regardant là. Télé, voilà, on met tout à profusion là. Oui, je sais, mon chou. Oui, fais pas cette tête là. Vous imaginez tous ceux qui ont faim, ils sont là. Une petite faim, quoi. Je parle pas des gens qui sont affamés par la famine. Hein. Bon là, elle va vite se lever. Bon, il est 10h. Oh, ça va. Allez, lève-toi. Va l'ignorer. Alors, Lila a rencontré Nathalie. Oh là là, mais c'est bon là. C'est oui, oui, oui. Quoi? Oui. Pardon. Je suis paumée. Il y a 15 000 trucs. Non, toujours pas. Je me suis trompe. Je me trompe. Chanter sous la douche. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais, j'ai galéré à te faire... Oh, il a le temps de rien! Je suis désolée. Il va mourir de faim. Au boulot. Me déprime pas, ma cocotte! L'ignorer! Tu vas aller manger après. Là, David, super. Ça nous en fait plein, les mecs, comme ça. Il y a plein de bouffe en smalé, mais pas ce que je veux. Ah, t'habites à la campagne? Ah oui, bah Paris, c'est la grande ville, hein. La capitale. Après, on a rencontré Amandine. Mais non. Mais il y a de la bouffe. Oh, bah elle est déjà là. On a 24 heures pour... vas-y, tu vas servir le brunch, salade de fruits, joli, joli, joli. Quoi? Déjà? Mais, what? Attendez, ça fait que 24 heures, Attends, je comprends rien, là. Tu payes tes factures? Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire que... Quoi? Ils ont déjà coupé, l'électricité? Mais on n'a pas le temps de dire ouf. Mais c'est des fous, c'est des dingues. Il faut le faire dans l'immédiat, sinon on te coupe tout ici. Il faut que je fasse gaffe pour le Legacy parce que ça fait des points en moins. Hein. Et Lila a rencontré Cécile. Lila, elle rencontre pas mal de monde là aujourd'hui. Elle est très sociable. Pourtant, les trois, ils sont. Hein. Bon. On va faire sa petite. Oui, j'ai pris le tram aujourd'hui. Bon, les copains. On fait quand une soirée scribibielle? Scribibielle?
Mais c'est ouf, je savais pas que c'était aussi rapide, quoi. Enfin, d'habitude, on est au bout de 2 jours. Là, ça fait 24 heures à pile, quoi. Ils nous coupent l'électricité. Ils rigolent pas, hein, les impôts, là. Enfin, les impôts. Et avant, on a rencontré Charlotte. Braval, c'est bien. La femme de ménage, elle est déjà partie? Parce qu'il y a ça à nettoyer maintenant. On prend une femme de ménage finalement pour faire quoi? Parce que elle fait rien. Hein. Je devrais Quand peut-être la. j'aurai la fibre. De quoi quand t'auras la fibre? Ah, pour Scribble! Oh oui, c'est-à-dire ce week-end. Mais oui, on va se faire ça, on va se faire ça. Petit Scribble party là. Au fait, Apéro Shirley, party aussi. si est-ce quoi ton abo frit? Oui, je suis chez Free. Je suis chez Free. D'ailleurs, ça va faire 1 an là bientôt, donc je vais payer plein pot la connexion. Ça craint. Parce que il y a 1 an de ça, j'avais dit ouais, bon ça va, j'aurai du boulot d'ici 1 an. Ça, parce que passer de 15 € à 35. Ah bah le petit P, ça faisait longtemps, Nunu. Ça faisait beaucoup, 20 balles quoi, mais s'entraîner à chanter. C'est juste s'entraîner à chanter, j'ai pas à chanter. Ah si, on chantait une chanson. Abri, bri, bri, petite étoile. Épilogue, allez, vas-y. Valvaro, Carpator, Quahuli, Carpator, Mazuli, Carpator, Pendo, Ah, bah Lunacrum, je perds des points. Valvaro, J'ai perdu 1%. Kimboyam, Bazuli, C'est quoi le nom de mon abonnement? Kimbo Je comprends pas ce que tu veux dire, Marie. Valvare, L'installation chez Soch, c'est plus cher. Ben, c'est, je sais pas, c'est fibre, c'est, je sais pas. C'était, non, c'était un appel d'offres, Switzerland, c'est pendant 1 an, tu payes 15 €, mais après, au bout d'un an, tu t'engages en moins pour 1 an, tu vois. Donc là, il va falloir que je regarde pour bouger, pour changer d'opérateur, pour continuer à payer pas trop trop cher, au lieu de 35 balles, tu vois. Parce que 20 balles de plus, ça va faire mal au porte-monnaie. Désolée, hein, du coup, j'ai entendu, mais j'ai pas trop. Oh! Mais ça l'a fait monter bien, hein? On a 90% les gens, on va avoir le niveau 10. Allez, tu vas me shotter et tes torrides. House, week-end festif et pop, bonne soirée. Vas-y, 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 vas-y. Fais-moi plaisir. Fais-moi les 10 en chant là. Je l'ai jamais fait, les 10 en chant. De rien, dear Lily? J'ai pas trop écouté, j'avoue. J'ai regardé chez Free, t'as plein de noms de box. D'accord, je regarderai Marie, mais là, je sais pas, je. Mama thinks I love you. Mama thinks I love you too. Mama Appelle Free en leur disant que tu vas résilier, tu vas voir s'ils vont pas te baisser le prix. Bah, on verra. Je vais pas me plaindre, c'était les seuls dispo et tout. J'ai eu la fibre, à peine le mec il est venu, elle était déjà là en plus, donc bon, c'était le bonheur quoi. J'avais la fibre, le mec était pas parti, que j'avais déjà la fibre, c'était waouh. Je regarderai. Mais c'est pas mon genre d'aller quémander comme ça, de faire ça en fait. C'est pas quémander, mais bon, faire du chantage. Je vais voir ailleurs, on verra. Je vais aller regarder ce qui est dispo. Merci, Sweetson. Déjà? Putain, on est à 93% les enfants. Il n'y a personne qui va bien dans cette baraque. Tu me l'as fait le niveau. Et puis tu vas. Puis ça a été à la bourre. Tu vas travailler dur, c'est parfait, c'est ce que tu fais. Bon, bah écoutez, on va attendre qu'ils reviennent. Hein. Tout le monde est parti là. Ah bah voilà, Nathalie. Oui, on invite Nathalie. Oh! Eh ben, merci Lily. AOL pour l'abonnement YouTube, ça fait plaisir. Bah, par contre, là, elles veulent aussi se. Bah, elles se sont toutes mises B, B et B. Ça va, tranquille. Les girls. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il n'y a pas les parents pour les engueuler, donc vous allez faire. Je leur fais pas tout de suite les devoirs parce que c'est Nunu qui va les aider. Pour. Ouh, toi, tu as besoin de te divertir, j'avoue.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une jeune fille. Mais c'est une fille. Voilà, les yeux marrons. Aucun intérêt. Je suis méchante. De où non. Tu invites à rentrer cette petite? Invite à rentrer cette jeune fille. Alors, impressionner le patron. Nuage veut impressionner son patron pour obtenir une promotion. Comment doit-elle procéder? Faire des heures sup ou s'occuper d'une tâche secondaire? Que faisons-nous dans le chat? C'est parti. Ah oui, c'est nager. C'est vrai que tu l'avais raconté. Je bug de ouf, ça me gonfle. Aïe. Faut pédaler plus vite. Autant changer de forfait mobile, c'est facile. Autant changer d'opérateur fixe, c'est chiant. Ouais, j'avoue. Alors, Ina, comme d'hab, tâche secondaire de 4 à 5. Bon, allez, c'est un full tâche secondaire, là, donc on va y aller. Désolée, Camille, t'es la seule. Alors, gros gain de performance. Pour cette fois, je vous aime. Juste pour cette fois. Nuage prend l'initiative de s'attaquer à une tâche totalement négligée que personne d'autre ne voulait faire. Tout le monde est surpris de voir que c'est enfin fait. En particulier le patron de Nuage qui est vraiment impressionné. Peut-être suffisamment pour lui donner bientôt une promotion. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, enfin ça a rien changé du tout. Ça a rien changé là. Elle était partie au boulot, elle était déjà avec ce gain. Hein. Ah. Voilà, excellent. Ça l'a fait monter. Et travailler dur. Écoute, discute avec les collègues si ça fait que ça. Tu vas faire connaissance? Tu vas raconter une histoire inventée? Et te plaindre du temps nuageux. Allo, bolo! Qu'est-ce que tu fais? Mais fais pas la vaisselle, cocon! Oh! Va jouer avec le coin-coin, là, avec émotion. On n'a pas les parents. Hein. Tandis que lui il s'ennuie. Hein. Oh là là, oh oui, il s'ennuie de fou. Tu discutes avec les collègues? Je sais pas si ça va te détendre. J'aimerais qu'il ait sa promotion aussi. Hein. Voilà, ça le descend un petit peu. Elle nous aime. C'est très bannière quand tu vas. J'essaye, mais il est pas motivé le réseau chez moi. Ouais. Je n'ai pas eu d'alerte, je pensais que tu décalais le live. Ah bah non, pourquoi Elisa? En fonction de quoi? Zut, je suis désolée pour toi. Léa, nanana. Vas-y, remonte un peu ton... Ouais, c'est pas terrible, hein. Elle travaille dur un petit peu. Je veux que tu lui mettes cette promotion. Alors que Nunu... Ah, Nunu, ça baisse, hein, putain. Tu te détends? Ça marche pas non plus. Bah alors, Lila, je t'ai vu, hein. Tu fais des proutes. Ah, va jouer. C'est bien, Prune. Va jouer, t'as raison. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un problème avec mes filles? Tu dégages, hein. Cœur partout. Ouais, c'est très passionnant ce qui se passe pour l'instant. Mais là, on n'a pas de... Vas-y, discute avec les collègues. Je sais pas, augmente ton travail, là. Travail dur, allez. Ah, c'est lui. Oh, lui, il va l'avoir. Lui, il va l'avoir à la promotion. C'est déjà ça. T'as déjà voulu fin de fini de... Sinon, tu peux te présenter amicalement. Tu peux être gentil pour avoir des bonnes manières. Parce qu'en fait, elle lui parle, mais elle s'était pas présentée, tu sais. Genre. Ça, t'as des manières comme ça, c'est bien. Tu discutes? Faire l'imbécile, vas-y. Ah, c'est parce que la musique est forte, c'est pour ça.
Ah oui, c'est pour ça. J'avais pas fait attention. Désolée si vous aviez trouvé que la musique était trop forte aussi. Je viens de recevoir une photo de mon bébé chaton en train de dodo. Oh, qu'elle a foutu le bordel. La copine a nettoyé la maison. Et Navi a joué avec les poussières. Eh, hey, mais c'est les bébés, hein. Les chatons, ils font que des conneries. Hein. Oh, bah alors ? Eh bah alors ? Mon gros ! Et alors, c'est sa promotion, il l'a fait. Il fait comme l'autre, là, comment s'appelle, Travolta. Promu au poste d'ingénieur expert. Mais c'est bien, tu as reçu un plan encadré et 875 simflouz. Mais c'est merveilleux. Hey, Captain, comment tu vas? Ça faisait longtemps. Merci pour le host. Ah oui, oui, la photo, carrément. Coco, tu vas manger? Parce que tu n'avais pas mangé. Et tu vas aller regarder la télé. Ah, tu vas te détendre. Le slipper. Non, mais j'ai dit manger avant. Ah, elle fait papa. Allez, fais un câlin à ta fille, si tu veux. Câlin. Oh, là, c'est... Voilà. Ça va, elle va être contente. Oh, papa, papa. Oh, papa, papa. Allez, papa, il va faire des câlins à ses filles. En tout bien, tout honneur, évidemment. Oh, la gueule. T'es jalouse parce qu'il a fait à ta sœur avant, c'est ça? Pardon. Dermid. Voilà, c'est pas si mignon ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Réclamer de nouveaux jouets? Non mais tu crois que c'est le Père Noël, ton père? Le tueur, c'est qu'il lui a dit oui, mais en même temps, il y a que dalle, quoi. C'est, je veux dire... C'est, ouais, c'est ça, ouais. Bah, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, tu vas manger des pastas primavera. On va voir si elles sont buggées, ces pastas-là. Va faire à manger. Adi, arrête de faire des crises, là. Tu m'énerves. Qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que t'es mal élevé? Tu vas te calmer. Mais tu vas te motiver. Je sais pas à quoi, mais tu vas te motiver. Toi, tu vas aller aux toilettes. Et Prune, qu'est-ce qu'elle fait? Prune aussi, elle est contente de voir son papa. Tu peux monter. Faire pipi aussi. Elle se motive comme elle peut. Je vous lâche, je vais voir si ma PS4 continue de déconner. Bonne soirée. Des bisous, Ricouze. À bientôt. Un peu fatiguée. Ah bah oui, ah, t'es un peu fatiguée, Lisa. Ça arrive. Qui est-ce qui est promu? Hein? Hein? Eh ben c'est Adonis! En tout cas, j'aimerais bien que Nunu le soit aussi, mais ça monte pas. On va discuter avec les collègues. Tu sais pas quoi faire, les lavandes? Non, mais laisse ton père tranquille. Papa! Regarde, si, ça y est, il a fait les pastas. Vas-y, viens manger. Toi, t'as... Ok. Toi, ok. Voilà, c'est bien. Bah écoutez, c'est bien, on s'occupe. Elles n'ont pas fait leur devoir, parce que je rappelle que je vais faire en sorte que Nunu les aide pour améliorer sa compétence éducation. Voilà, discute avec les collègues un petit peu. Avoir bossé dur. Qui c'est qui vient taper à notre porte, là, encore? Qu'est-ce que c'est que ce wesh? Oh, les yeux marrons, c'est déjà foutu, hein. Oh, par contre, je me suis approché un peu trop. C'est dommage. C'est quoi cette tenue? Je connais pas cette tenue. C'est dommage, Mathieu Garner. T'avais l'air pas mal, mais t'as les yeux marrons. À la limite, pour Prune. Allez, pour Prune. Vous irez bien ensemble. Vous ferez des enfants aux yeux marrons, quoi. Je vais me prendre un McDo en sortant du taf et une salade à la place. Et oui, nouvelle émote, Captain! C'est le mousse! C'est la mousse! Parce que moi, j'aime faire mousser mes abonnés. Je leur dis bonjour un à un. Donc, je fais mousser. Un peu bizarre de se dire que je vais caser ma petite fille avec un adolescent. Enfin, ado, je crois. Non, c'est un jeune adulte! Oh merde, c'est trop tard! Elle a des points d'influence, la petite, quoi. C'est magnifique. Remets pas de son prêtre. Bon, vas-y. On va le virer. Il est trop vieux pour toi. Voilà.
Lui, il est parti regarder la téloche. Non, sur l'ordinateur. Bah écoute, moi ça me va. Nunu! Nunu, elle a bientôt. Elle rentre bientôt là. Dans 5 minutes, ça sert à rien ce que je fais, mais. On n'aura pas de promotion aujourd'hui. Je suis tristesse. 910 simflouz quand même. Prune passe par une phase. Bon, Prune, elle va pas passer longtemps par une phase, elle va me casser les pieds. Elle va préparer ses devoirs. Voilà, réussir ses devoirs haut la main. Maman. Oh non! Bon, en même temps, je déteste le truc du nounours, mais c'est assez rigolo que Prune, de la génération Prune, se mette en nounours violet. Je trouve que c'est assez sympathique. Comme. Voilà. Donc, elle va faire la gueule, mais je m'en fous. Moi, je m'exaspère avec leur. Ah oui, c'est vrai! Mais viens aider ta fille à faire ses devoirs, s'il te plouse. Nouvelle bonne nouvelle, mon frigo rentre dans le camion Super U que mes parents ont loué. Super! Ça, c'est la bonne nouvelle. Je passe pour vous dire bonne nuit. Pas de soucis, Théo, des bisous. À bientôt. Bon courage à toi, bonne nuit, dors bien, tout ça. Je disais, je peux pas l'avoir car j'ai pas assez pour me payer un abo. Mais tu peux le débloquer si t'as beaucoup de points. Oh, et la vente, là. Tu. Voilà. Arrête de faire ton intéressante prune XD. Pourquoi je peux pas l'engueuler? Éducation. Sur la phase. Bah oui, mais non. Elle vient de dire des sales mots et tu peux pas l'éduquer. Tant qu'elles font pas leur devoir, les autres, hein, parce que elle, là, comme ça, elle monte. C'est en éducation. C'est fini? Ok. À ton tour, vu que t'es à côté. Ah, t'as mis tes putains de devoirs là-haut. C'est toi qui les as foutus là. Saleté de gosse. Hop, allez. Je suis une pétasse. J'insulte tous mes gosses. Mais c'est des gosses de pixels. Donc juge des objectifs à remplir. On n'est pas. Ouais, c'est difficile hein, l'éducation. Prune en ourson violet, c'est le destin. Mais oui, c'est ça! Cette face si relou. Ah, mais ouais, j'insupporte. Le nounours, elle m'insupporte. Après, c'est moi la schizo, pourquoi? Arrête de faire ton intéressante! J'avais pas vu que c'était toi qui avais dit. Le pont Jean-Pierre, je suis sûre. Bah, il y a eu Francis et Jean-Claude, et puis il y a eu Michel. Mais ils voulaient tous des pastis. Puis, ce qui était drôle, c'est que les ponts, donc ils faisaient leur Léon, 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 là. Cool, Lila, c'est à ton tour. Ils faisaient les Léons. Et à un moment donné, on était vers un qui faisait la roue et tout. Puis on le prenait en photo, on dit, ouais, t'es beau et tout, machin. Putain, il m'a fait peur avec sa grosse voix, lui. J'étais pas prête. Va pisser au lieu de jouer la poupée. Idiot. Et ben t'as justement t'as le pan qui nous a fait des comme ça sur nous. On a fait mais oh putain. Ça m'a fait mal aux oreilles tellement il a gueulé. Mais c'était pas un Léon, Léon. C'était un cri vachement chelou quoi. On savait pas trop ce que c'était. Ça nous a fait peur. On se dit mais il croit que c'est une agression. Ils ont recruté. Mais ton homme, il se défile ou comment ça se passe? Mais va aider ta fille? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Fais tes devoirs, Lila! Mais elle veut pas faire ses devoirs! Ah, t'as déjà fini? Mais cette tête, regardez-moi ça! Lila, la thug! Lila, la thug! Franchement, les soirs, moi j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ces gosses? Bon, écoutez, tu peux l'aider à faire ses devoirs supplémentaires. Allez. Après, tu vas chanter. Ça va être long, l'éducation! Elle est crevée et tout. Il est Mes 23 h. parents lui font peur, je crois, mort de rire. Je pense, ouais. Allez, tu vas être. Ouais, tu. Tu vas aller manger, te coucher, Nunu. Qu'est-ce qu'elles sont buggées ou quoi? Oh, arrête avec tes mots, toi, saleté.
Elle est partie se coucher. Lila, tu te dépêches, tu fais tes devoirs et t'iras te coucher aussi. Adonis est parti se coucher et il manque que Nunu. D'ailleurs, les pâtes, on va les mettre dans le frigal. Ce serait dommage quand même d'en rater. Puis après, elle va au lit et demain matin, on chante pour finir le chant. Je t'ai mis sur la télé, Niark. Bonjour! Pardon. C'était pas intéressant. Je suis d'accord. Je suis avec ma fille ce week-end en mode fifi en folie. Bah moi, c'est tellement loin de chez moi, j'avoue. Si Hein, je suis un peu est-il égoïste. facile l'éducation? Tu fais dire des mots interdits aux gamines, mais tu les grondes juste après, visage avec des larmes de joie. Ah oui, ben vous savez pas, c'est que Mathurin, il est au niveau 10 de l'éducation, hein, à force de gueuler sur ses gosses. Je vais vous laisser à bientôt. Merci Shirley pour ce live. Hey, elle a dit un live. Des bisous, Quentin, à bientôt. Prends soin de toi surtout. Allez, ça dort. On a encore le temps d'avancer un petit peu aujourd'hui. Hé hé hé! Pru 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 prunette! Pru 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 trunette! Elle va bien bientôt clignoter! La la li la la! Déjà levé? Et les autres, c'est dans 3 jours! Hein. Oh putain, j'ai trop hâte! J'aimerais trop qu'on fasse. Allez, on skip 3 jours là, on s'en fout et on fait déjà grandir les filles. Déjà, tu vas pas les bouffer, tu vas les dormir. Il est 2 heures du matin, et tu crois quoi là? Non mais dis! Mange pas des sandwichs à 2 heures du matin. À 1h30, oui, mais pas à 2 heures. Quand même. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je suis pas en ours, je suis tristesse dans ma vie. Mais voyons que tu deviennes ado, toi. Hein. Ah bah ça y est, elle clicli, elle clignote, elle clicli, gnognote. On va pouvoir lui faire un petit gâtal. Et elle deviendra adolescente. Ouais. Je sais pas, j'avais envie de faire de la merde. Oh là là, je suis... Oh mon Dieu, je vais devenir adolescente. Quelle horreur. Sois contente, tu pourras emballer des mecs. Ou des filles, si tu veux. Je m'en fous. J'aime le jingle. Ça me fait rire, des fois, il y en a, ils taguent au moment où je me mets à chanter en freestyle et tout. Bah, je le fais peut-être un peu moins en ce moment, je sais pas, je fais pas attention. Genre là, j'ai quelqu'un qui m'a mis un com sur un vieil épisode du Decades où je commence tout de suite à chanter en fait et tout, et dit putain, j'étais morte quoi. Putain, mon petit frère me réclame 100 balles car il a aidé à porter mes meubles, il a cru que j'étais riche ou quoi? Si est-ce quoi ce gosse? Faut l'abandonner, hein, sur une aire d'autoroute, hein. Et ouais, bon, on lui fera faire son anniversaire quand elle rentre. Et je sais plus ce que je dis. Ça devait être pas très intéressant. Des claques. C'est ça! Vous avez. Ah, bah c'est bien! Ok, elle est mignonne. Regardez cette petite culotte avec des pattes de minou. C'est trop choupette. Bah, Doudou, t'es où, mon cœur? Bah, il a dû partir dans la chambre. Ah non, t'es là, mon chéri, t'as chaud? Un peu la tronche. Ouais, vous voyez pas les loulous, hein, mais. Tiens, Tyrion, il est parti aussi. Bon. Ils sont pas derrière. Oh, les tronches qu'elles font quand même, c'est pas possible. Adonis, il est levé. Oh, je suis partagée entre le gras qu'il y a ici et quand même des muscles qui sont quand même un petit peu dessinés. Il est étrange, ce garçon. En plus, il se balade en slip. Mais en fait, regardez, il a le gras. Mais il a quand même les muscles. C'est assez chelou comme... C'est assez chelou. J'ai déjà tenté à sa naissance. Il paraît que j'ai demandé s'il serait toujours là le lendemain mort de rire en mode on le laisse à la maternité. Ça sert à rien, un frère. J'avoue. Eh oui, je me souviens que tu l'avais raconté. Bon, par contre, laquelle a dit des saletés, là? Ça commence à bien faire, hein. Mais c'est elle, parce qu'elle a les phases de... Petite conne. Putain, mais avoir des gosses quand t'as être parent, ça devient folklore, hein.
Allez, tu vas manger et pisser? Parce que là, ça va être l'heure de l'école, t'auras pas le temps de faire tout ça. Mais toi, va pisser aussi, espèce de nanette! Ah, tu vas te pisser dessus, là! Après, on va dire quelle éducation on donne aux gosses, hein! Toi, tu vas rien demander conseil, toi. Non, mais c'est l'heure de l'école, en fait. On va tirer à pisser plus tard. Allez, filles! Faites connaissance de beaux garçons avec des beaux yeux. Enfin, quoi que vous avez déjà des très très beaux yeux, donc vous n'êtes pas obligés. Enfin, si, quand même, pour faire un beau mélange. Lavande. Hop. Tac. Toi, tu manges un peu et après, tu te casses. Hein. Nunu. Nunu, debout. On a du boulot pour toi. Tu vas prendre... Tu vas chanter sous la douche. Je vais y arriver à chaque fois que je me trompe. Hein. Et tu iras manger. On en est où au chant? 93%. J'espère que ça va augmenter un peu pour sa douche. Oh oh yeah! Adonis Migrami Canon, c'est ça, il est devenu chelou un peu. Pour mon legacy, ma matriarche à l'aspiration université en connaissance, donc je galère avec ça, plus essayer de gagner des sous. Ah ouais, j'imagine. Ça nous a rien avancé là, sous la douche en fait. Oui, bah c'est bon! A rencontrer Axel, oui, c'est bien, mais je préfère que tu rencontres des garçons. Va à l'école! Punaise, une heure de retard. Hop, toi, tu vas aller aussi au travail. C'est pas grave si ça pue. Va prendre ta douche. Il est trop chelou. Il était bien mieux plus jeune. Hein. La quarantaine lui a pas réussi. Ah, mais il chante sous la douche, lui? Oh! Je t'ai vu, Nunu, péter. Elle est contente, elle aime bien traîner dans sa puanteur. Si tu veux, tu peux aller courir. Si tu veux, ton... Ouais, enfin, bref. Ah! Ah! Ça, je remets dans le frigal. Toujours bon à sauver. Alors, tu vas rechanter, hein, country, pays du nectar. En plus, t'es contente, là. Disco été torride. Et solo, pop, bonne soirée. Je pense que là, avec ça, il n'est même pas 10h du matin, on attend la récréation. Elle va pleurer. C'est encore elle avec son... Ah non, c'est bon, elle a réussi à le faire voler cette fois-ci. Bref, comme ça change. Et on va atteindre les niveaux 10! En chant. Là, je sais. Là, je le sens, là. Là, on est bien parti là. 6% les enfants! Je t'adore et mon frère m'énerve, ça sert à rien. En grand qui a 17 ans, il a juste pour les devoirs comment demande de faire. J'ai pas compris, mais c'est gentil. Ok. Salut Bigimi, comment tu vas? Et re 4 quarts. 24 ans et 11 mois. Eh, dans 2 jours. T'as pas encore 11 mois. Non mais. Bon, 96%, on aura même pas le temps de faire les 3 chansons qu'elle va gagner. Oh mon bébé! Coucou mon cœur. 97. Oh. Allez. Ah oui, Adonis, j'ai oublié. Je l'avais oublié qu'il existait celui-là. Mama Dave, I love you. 2%. Mama Dream. Mama thing. Bah oui, ça faisait longtemps, Bigimi. Ça va, ça va. Mon petit frère sent toujours mon petit bout de chou. Eh, 99% les enfants. On va les faire, les 100%. On va valider le chant aujourd'hui.
Mama Three, the tutu. 100%! Bra, bra, ta 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 ta. La Moumou, on les a fait les 100%? Ah! En plus, c'est la meilleure chanson du monde qu'elle est en train de chanter en ce moment. Tchip 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 someone. Wow. Pardon. GG Nunu. Oh, bah Chantal, t'es pas enjouée là. Hein. Danse de joie. Mais wow, why do we do some more? Woo! Bravo Nunu, t'es la best des bestes. Donc il nous reste l'éducation et sa carrière. Voilà, éducation. Et tu peux faire, je crois, des trucs sur Internet, non? Oh putain, mais pourquoi je clique et il veut pas? Qu'est-ce que... Oh non, il était en freeze, mon jeu, d'accord, j'ai compris. Pourquoi tu ouais. Rames, mon petit? Mais... Waouh, il m'a fait un ramage de l'espace là. Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il a? Putain, il va planter, je le sens. Mais what? C'est bon? Mais qu'est-ce qui... Quoi? Et pour Nunu et Pipip. Ouah! Le réflexe que j'ai eu de baisser le son quand la chanson est passée. T'es pas gentil, Elisa. T'es pas gentille! Hourra! J'adore que tu traduis Simlish en anglais. Ouais, je. Bah écoute, je sais pas, ça a une connotation. Enfin, le son est, il sonne plus anglais, tu vois. Foyer. Sauvegarde. Ouais, j'avoue. Ce serait dommage. C'est pas grave, on continuera. Moi, j'ai toute la vie. Plus de choix. Web. C'est ça que je voulais faire, mais mon jeu là il veut pas, hop. Que je sais pas, il veut pas que j'ai une Sims qui est niveau 10 en chant, tu sais. Ça ne sert à rien, un grand frère de 17 ans, quand les parents, hein, s'ils vont m'aider pour les devoirs, quand mes parents et maman ne sont pas là, il fait mes camps dans le monde. Ah ouais, mais oui, bah c'est comme ça, c'est les garçons, hein. C'est les grands frères. Hein. Est-ce que ça, elle peut peut-être améliorer ça? Oui! Il y a pas besoin d'avoir les gosses à la maison. Oh, on est bien, on petit est bien. Petit cucu rapide peut pas être là ce soir, bisous. Cœur, suçon. Cœur, suçon. Des bisous, Niri. À bientôt. Merci d'être passé quand même, c'est gentil. Ah, Kobe. Agent 21 boule. Merci, Lisa. Quoi? Non, mais Mini, non. Voilà. Non, mais c'est bien, regardez, elle travaille son éducation. Prune a rencontré... Ah mais putain, ils vous rencontrez toujours les mêmes. T'es toujours sur... Non. Moi, je veux que tu travailles ton éducation. Pourquoi quand je clique sur le PC, c'est... Waouh, c'est lent. Faut être méchante, mais... Ah. Nuage est trop en colère contre les parents d'Internet pour faire cela. Merde. Tu vas étudier les adversaires, alors... Ah oui, j'avais pas vu. Elle est en colère. Principe d'éducation remis en cause. Comment Internet hostile ne pas être d'accord avec vos méthodes d'éducation? Et de toute façon, pourquoi ces soi-disant parents détiendraient-ils la vérité? Je sais qu'elle a pas besoin d'éduquer, faire les adversaires, mais bon, ça peut faire augmenter un peu sa perf. Allez, va au boulot.
Tu vas être dépensé au travail avec ta superbe sexy tenue d'amour, géniale, et tu vas les défoncer tous là-bas. Prenez, mais rencontrez des garçons, s'il vous plaît. J'ai mis sur. J'ai mis sur. Elle fait déjà travailler dur. Parfait. Et hop! Un conglomérat de filles prunes. B, B. C'est bien. Alors, toi, t'as. Toi, tu. Voilà. Voilà. Toi, tu. Voilà. Et toi aussi, tu vas, voilà. J'aime bien, c'est. Baignoire, toilette, douche. Oh! Arrête, Lavande. Je te coupe la tête, moi. Elles sont mignonnes. Anti-violet d'amour, c'est trop mignon. Tu le termines à quelle heure? On va terminer ce live. Là, on est à 1h15. J'ai envie qu'elle ait un niveau promotion, quoi, même nuage, tu vois, histoire de. Ce serait cool. Donc, peut-être faire une journée en plus rapidement. On va essayer, hein, mais. J'aimerais bien qu'elle ait un petit niveau en plus. Qu'on soit au niveau 9, pour qu'on avance un peu. Ah! Formation supplémentaire. Attention, ça peut tout, on peut tout jouer là-dessus. Hein. Donc faites attention à ce que vous répondez, sinon je vous banne. Le patron de nuage lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-elle faire? Faire la formation ou offrir cette opportunité à un collègue? Que faisons-nous tous? Tu l'as acheté, mais il marche pas. Tu parles de quoi, Elisa? Ah, tu l'as acheté. Ah, c'est bizarre. Mais après, il a eu un peu de mal, Twitch. Oui, c'est pas normal. Oh, c'est un full forfaire la formation, c'est magnifique. Gain de performance moyen, magnifique. Merci. Ça se prononce pas. Attention Rocky, parce que tu vas te faire ban par le bot si tu mets trop d'emoji comme ça. Attention à toi. Céline, elle a fait comme Ina. Maintenant, elle fait je ne me prononce pas. Ouais, c'est bizarre, Elisa. Il y a peut-être un bug sur Twitch en ce moment avec les achats de. Oh, 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 j'ai peur, je touche plus à rien. Bon, à mon avis, elle va avoir la promotion. Bon, lui, il faut qu'il atteigne niveau 3 de bricolage et niveau 6 de compétences robotiques. Ok, il avait rien fait, j'avais pas du tout fait travailler. Il gagne 115 de l'heure quand même, hein. Elle a combien? 130. Ouais. Mais lui, il a 115 au niveau 6. Elle, elle est au niveau 8. C'est quand même intéressant, hein, au bout d'un moment, les. Je vais attendre, bien sûr, qu'elle soit rentrée pour travailler son éducation. Ah, je suis trop contente. Oui, mais les gars. Ouais, mais il faut qu'il y ait un des. Quand il rentrera, lui, à 18h, parce que bah j'ai pas de gâtal de prêt. Hein. C'est pas comme le Legacy où j'ai un gâteau qui sert à toutes les fois. Je pense que j'ai pas de gâteau. Ah, mais il est pas là. Attendez. Je peux pas. J'ai pas de gâtal. Il faut que j'attende qu'il rentre à Adonis. Va te divertir un petit peu. Attends, fais voir tes qualités perso. Alors, m'en fous des plans d'action. Nightbow est pas là. Si, forcément là. Alors, les manières et responsabilités. Ouf, contrôle des émotions, mais c'est pas grave, tu courras quand tu seras adolescente. Ça, c'est comme d'habitude. Tu viens me faire un peu d'empathie, s'il te plaît. Voilà. On va faire beaucoup d'empathie, même. Ça te changera un petit peu. Non, toi. Qui c'est que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, le jeu, il me troll aujourd'hui. Non, j'ai dit pas ça. Tu vas faire du docteur, s'il te plaît. Merci. C'est calme de. Il y a trois filles à la maison, je trouve d'un calme. Mais d'un calme. Oh, il y avait un minou. Oh, mais pourquoi elle se téléporte là, les gosses? C'est chelou comme ça, un petit peu. Elles peuvent chanter? Oui. Viens chanter. Vous allez chanter en duo, les filles, là. Country. Vas-y. Elles vont chanter en duo, les jumelles. On va rigoler un coup. Il est pas là, Nightbot? Mais sérieux? Ah oui, il est peut-être pas venu. J'avoue. Dans les Sims 2, les filles auraient pu préparer un gâteau avec la cuisine en plastique. Ah ouais? Oh, mais si, Anana. C'est moi qui vais te ban, là. Hein. Fais gaffe. Hein. Hey, je vais te ban 5 secondes pour t'en ajouter un. Un petit ban en plus. T'étais à combien la dernière fois? À 15? On va les entendre chanter.
Oh putain. Alors par contre, je sais, il y a moi et le chat, vous allez rien voir du tout. Merde. Pardon. Je crois que t'étais à 15 la dernière fois. Quelle horreur! Ah, il est rentré. C'est horrible. Oh, c'est immonde! Lila, c'est horrible sa voix! Oh putain, Lila, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Lila, c'est horrible. Ah, c'était immonde. J'adorais. Bah si, tu vois. Ah, papa, il est rentré. Mes oreilles, les meufs, s'il vous plaît. C'est papa, il est rentré. Ah, papa, il est rentré. Oh, je suis tellement avachée en ce moment. Salut, Lo, comment ça va? Ça l'a eu, Anaïs? Ça l'a eu, Anaïs. Oui, je sais bien parler la France. Comment tu vas? Il était là, mais il a eu marre. Ouais, il est parti. Il est démissionné. C'est pas dans les gènes, le chant. Non, ça se travaille, hein. C'est... Bon, des fois, le talent est inné, mais... Il y en a, même en essayant de le faire grimper, elles en ont pas... les talents. Enfin, bref. Et donc, Sianana, tu as combien? Je crois que la dernière fois qu'on avait regardé, t'étais à 15 bannes. Tu en es à 20. Mais quelle honte. Quel exemple. 20 bannes. Ouais, tu vas pouvoir mettre une petite bougie. Et tu vas, comme maman, elle revient à 21h, on va faire tout de suite... on va faire l'événement social maintenant. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il lui connaît presque personne par rapport à Nuage, mais bon. Pecopsa. Voilà. Alors... Anniversaire, dernière fois on a vu un truc bronze, c'était nul à chier. Nous allons fêter Prune. Nous allons inviter les filles. Doncan, Mini. Ah ouais, ah ouais, Marina. Putain, je t'avais pas changé ta tête, toi? Il connaît personne, c'est d'une tristesse. Quelle sale gosse cette Sianana. T'as vu ça, hein? Merci Lo pour le follow. Merci beaucoup. Mais Sianana, tu te calmes un petit peu quand même, s'il te plaît. Tu me fais peur. Attention, là, tu passes aussi sur YouTube. Après, les gens, ils vont croire que t'es une saleté, hein. Qu'il y a que des gens mauvais sur... Hein? Bon. Alors, disco moderne en musique. Oh, elle a mis sa belle tenue. Happy birthday, Prune Sims. Bande de table, bande de table, bande de table, bande de table. C'est gentil. Merci, Switzen. À chaque fois que je fais un gâteau, je mets direct en pause pour avoir le temps de mettre les bougies, sinon ces gouins vont se dire « Oui, c'est ça !» Pendant ce temps-là, elle est en train de faire ça. Elles sont trop choumies, choumettes, les petites. Ah, il y a votre cousin qui est là. Et votre tonton. Qui tond le gazon. Et Tata. Qui... Tata, qui est très très musclée. Vous inquiétez pas, YouTube CST, juste un vieux contentieux avec Night, bon, mais je suis sympa. Oh putain. En fait, j'ai relooké sa tenue, mais... Ah putain, ça... il y a quand même... C'est pas la plus belle, hein. Ça va faire peur, quoi. Oh my god! Oh, il a le petit piercing! Oh, j'adore son style! J'adore son style, Oyan! La vache! Bon, il a toujours des yeux marrons, mais j'aime bien son style, là. BG! Bah, écoute, finalement, ma petite Mini, tu nous as fait un beau mec, hein? Tu nous as fait un beau petit mec!
T'en as fait qu'un, mais il est BG. Ça va, elle a pas tapé dans le gâtal. Ça va, elle a pas tapé dans le gâtal. T'as toujours ta promotion? Oui. Je suis joie. Je suis joie. Et créatif. Salut, cousin. Yann, il est beau. Il a bien pris des deux parents. Je pense, ça va, il est pas mal du tout. J'aime bien les petites lunettes, la petite chemise. Lui, il est dégoûté, il fait « Oh, attends, je suis à un anniversaire et mes parents, ils m'ont même pas pensé à moi, quoi. Tu veux des spaghettis ?» Marina est partie danser, mais regardez cette joie de vivre. Un quoi si est-ce perle, visage effrayé. Oh, elle est compatissante! Mais bien, ma petite chouk-chouk! Oui, parce qu'elle est mignonne. Tu peux. Bah, viens, viens discuter, et puis avec tes cousins, cousines et tout, quoi. On attend que maman revienne, hein, et puis on va faire l'anniversaire pour de bon, quoi. Pour l'instant, maman a toujours sa promotion. Elle est pas jojo. Non, elle est un petit peu ratée, la fille de Perle, hein. Puis alors, elle a une de ses têtes, là, regardez comment elle est vénère. Ouais, je danse, ouais, c'est la fête! Bon, il faudrait que j'aille vraiment la relooker un petit peu parce que c'est. Il y a quelques soucis, hein. Connasse, elle a pas eu son. Et elle Pour les travaille petits pas. culs. Elle travaille pas le lendemain. Pourquoi vous me faites ça, les Sims? J'en ai marre de vous, en fait. C'est. Hein? J'ai déjà un traumatisme lié à Diego. C'est bon, là. Tu l'avais, ta promotion, qu'est-ce que tu me casses les burnes? Ah, je suis vénère. Ah, je suis vénère colère. Heureux, mon soldat. Tu vas. Non, c'est pas. C'est la fille de Perle, ça. C'est sa fille. Et lui, là, c'est le fils de Minnie, du coup. Voilà. Mais lui, par contre, il est très mignon. Tu peux inviter ta sœur? À ceux que du coup, genre Perle. Attends, putain, elles sont... Perle. Oh, mais Perle! Mais en fait, elle vient pas, Perle, elle est pas dispo. Mais tu la connais pratiquement plus? Mais c'est quoi cette histoire? Elle est méga pote avec Minnie, mais Perle, ça passe pas, quoi, elles s'entendent pas. D'accord. T'as perdu de vue pas mal de gens quand même, la Nunu, ça, rien ne va plus, hein? C'est quoi? On s'en fout, on va la faire venir. Allez. Ne commande du Sims? Non, c'est notification. Non, c'est pas ça. Marde. Perle, elle va arriver. C'est bon. Elle arrive. Tu peux te changer, ma cocotte, s'il te plaît, tu. Tenue. Voilà, parce que bon, la tenue comme ça. Hop, mets-toi belle. On va faire venir la sœur, on s'en fout. Regardez. Oh! Oh, Nunu! Nunu! T'es belle! Elle est où? Elle est où, Perlouse? Où es-tu, Perlousette? Parce qu'elle est plus du tout copine avec, donc c'est un peu chelou. Ah, il faut qu'on fasse anniversaire quand même, parce qu'après, il faut qu'elle fasse les devoirs des filles et tout. Tu peux venir, s'il te plaît, souffler tes boujaxes. J'ai oublié de prendre les règles du note Sobéry, donc je vais les prendre parce que je me souviens plus de du trait qu'il faut lui donner. Perlouse! C'est pas toi? Non. Perle! T'es où, connasse? Elle est là! Elle est là, elle arrive. Tenue de sport. Mais qui c'est encore? Mais non, là par contre, ça commence à suffire un petit peu, tu vois, tu voilà. Tu vas discuter avec ta soeur quand même, tu vas la complimenter. Oh, j'adore ta tenue de sport. En plus, elle rentre comme si elle était chez elle. Voilà, un peu la famille, hein, tu vois. Attends, ah oui, tu vas discuter avec ce que tu la connais pas. Merde, elle a déjà soufflé ses bougies. Oh, je suis en retard de quelques secondes. Bon, vous êtes prêts? Elle est trop belle, Nunu. Elle est trop belle, Nunu.
Ouah, les cheveux! Elle est plus ronde que celle que j'avais eue. Ouais, non, mais le menton, ça passe pas. SOS, Nourbou essaie de me bouffer le nez. Ah, c'est pas grave. Elle te le rendra peut-être après. En mâché, mâché. Pas de soucis, Ina, bon app à toi. Pas de boulot, fait maison, miam. Ben ouais, Nunu, elle a raté son ramadan. Et ça, et c'était une blague. Et raté son sa promotion. Voilà. Prune a vieilli. Ça y est, c'est officiel. Elle est devenue une adolescente. Donc Prune, Sims aux multiples talents. Super. Donc c'est dans connaissances. Ok, c'est ça. Et en trait, génie, réticence engagée, machine à danser. Je pense qu'on va faire la machine à danser avant. Voilà. Juste comme ça. Oh punaise! Ah ouais, tu vas courir toi, ma cocotte. Tu vas courir! Oui, non, elle est pas affreuse, mais tu vois, comparé à lui, je lui trouve pas de. Il a un beau profil et tout, tu vois. Elle est quand même pas terrible. Hein. Allez, bonne app tout le monde. Tu peux frimer en montrant tes muscles. Toi, tu peux quand même parler à ta sœur, je sais pas. Comment s'est passée la journée? Prévenir que les lits sont dangereux. Illuminer la journée. Elles sont plus du tout potes, quoi. C'est genre, je la connais pas. C'est ma sœur. Connaissance. C'est un peu grave quand même. Ah, je veux dire. Voilà. Pru-pru. Et l'autre, il est encore derrière la porte en train d'attendre. Mais je vois qu'il y a du monde et tout, mais. Elle est pas moche! Mais le profil n'est pas beau. Tu suis lettré, même si on sait tous que tu vas pas l'apprendre. Bah oui, quand même. Le menton me plaît pas trop, quoi. Bon, elle est sûrement moins moche que celle-là, hein, je veux pas te dire. Hein. Ça me fait rire. Oh, ce gros plan, il me met mal à l'aise. Pardon. C'était pour que vous vous imprégniez un peu de son visage. Pourquoi t'es triste là? C'est bon, il n'y a plus de nounours là. Qu'est-ce que tu me casses les burnes? Tain, du coup, personne connaît Perle quoi. Ah bah, toi, t'as pas le droit de lui parler. Si, c'est bon. Genre, Perle, elle a été exclue de la famille quoi. Bon, si vous avez mangé, vous allez faire vos devoirs? La meuf qui perd pas de vue. Non, tu vas faire tes devoirs parce que maman, elle va venir t'aider après. Ah ouais, non, ça passe pas du tout le profil, hein, on est d'accord. Hein. Ça passe pas du tout, hein, c'est affreux. J'irai la relooker, je pense, de mon côté, tranquillou bilou. Ou après, là, ou après le live, vous verrez pas YouTube, on va se le faire tranquille. Je pense comme ça on prendra le temps de choisir qu'est-ce qu'il faut en plus. Et en plus elle a les yeux marrons tout à fait, donc elle ne sera pas élue. J'avoue la crinière lui va bien, c'est assez sympa. Trait pour trait, rien ne jure. T'essayes de rentrer dans ses yeux pour changer la couleur. Exactement. Est-ce que t'es bons amis avec tes enfants toi déjà? Bonnes amies et bonnes amies. Donc ça c'est bien aussi. Responsable, très bonne répute. Lila, c'est à ton tour. Après je m'en fous, vous faites votre life. Tu vas juste faire tes devoirs et ta mère va t'aider. Non, 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 Nunu. Nunu. Non. Bon, je me suis pas du tout occupée de ça. Oh là là, donner une leçon profitable. Ouais, tu vas lui donner une leçon profitable aussi.
Et tu vas l'aider à faire ses devoirs surtout. Allez hop. Boire. Oh non. Écoutez la musique à un chien Ifi. Adonis. Tu vas écouter. Écoutez disco moderne. Toi aussi, tu vas écouter. Écoutez disco moderne. Voilà. Vous êtes deux. Toi aussi. Allez hop. Écoutez disco moderne. Qu'on fasse au moins un truc. Faire en sorte que les Sims jouent à des jeux en même temps. Ok. Ça va être sympathique. On va faire ça. Jouer. Toi aussi, tu vas jouer. Je suis un peu trop tard, hein, mais bon. Et toi, tu vas aussi jouer. Mais Adonis était parti se coucher, cette enflure. Je l'avais pas vu. Je suis dégoûtée, Nunu. Hein. Voilà, bah, ça va me faire tout rater mes plans, là. Alors, je suis à 3, pourquoi ça me les valide pas? Bon, allez, vas-y et... Devoir terminé. Prune. À ton tour. Toi, tu t'es juste fatigué. Ouais, bah nickel. Prune, ouais, un bon relooking ne sera pas de refus. Hein. Ouais, elle va avoir du boulot, la femme de ménage. Prune, fais ses devoirs et tu vas l'aider. Oh là là, mais parle un peu à ta belle-sœur, là. Fais connaissance un peu, faire une enquête. Faire une enquête pour un produit. Par contre, tu vas pas la draguer, non, ça va... Non, non, juste non, quoi. Perle s'est fait ban de sa propre famille, c'est juste une connaissance. Mais c'est ça, c'est un peu bizarre, quand même. Comme qui... Comment ça, qui a envoyé trop d'émotes? Qu'est-ce qui s'est passé? De race, ça passe. De race, ça passe. C'est horrible ce que tu dis, de race, ça passe. Très portée, rien ne jure. C'est dans un sketch comique Jérôme Commander. En fait, ça veut dire elle est moche, quoi. Ah, d'accord. Tu vas pisser, tu vas dormir. Bah, ça faisait plaisir de te revoir, Perlouse. Au plaisir. Hein. Toi aussi, tu peux être couché. Voilà. Toi, tu t'occupes de ta fille. Toi, t'es pas obligé d'écouter. Hein. T'es pas obligé de dire au revoir. T'es pas obligé d'écouter, tu peux pisser et dormir. C'est toute une gestion. De toute façon, on va s'arrêter là parce que Madame Nuage n'a pas voulu avoir de promotion. Alors qu'elle l'avait. Elle m'a cassé les pieds. C'est long, hein, l'éducation, quand même, non? Est-ce que tu peux, genre... crier des mots interdits? Sévère. On va voir combien ça monte. Je suis à 70%. Faut qu'elle s'assoie à Nuage parce qu'elle s'est dit quand même. Allez. Baroshi Amumba. 8%. Ouais. Oh ouais. Elle va te faire raconter une blague. Parce que là, la relation a baissé, mais ça va, elles sont toujours bonnes amies. Ah ouais, non, mais là, tu vas en dire des saletés, hein. Oh, tu vas être la reine des saletés, hein. Comme si Anana qui est la queen des bannes, hein, tu vois. Ah, elle est passée adulte la semaine dernière, donc elle est pas très avancée. Tu vois, regarde, on a encore une bonne marge avant qu'elle soit personne âgée. Donc, tranquille. Allez, dis des gros mots! Parfait. Ah non, parce que si ça fait gagner 8%, ça va être que ça. Hein. Punir! Voilà, petit ferme. Parce que 8%, c'est cool, hein! Je comprends pourquoi Mathurin, il a grave monté, hein. C'est quand vous voulez, non? Ah ouais, mais ça monte trop vite, c'est trop bien! Tu vas t'excuser, je sais pas, non, tu vas être gentil, non, de toute façon t'es pas bien, va te coucher. Merci, comment elle s'appelle déjà? Prune. Je sais plus, elle a plus la même tête, donc je suis plus habituée. Pour nous avoir fait avancer comme ça dans la compétence. Tu vas manger, tu vas au lit, Nunu. Belle Nunu de la beauté que tu es. Il y aura des assiettes pour la femme de ménage, moi je te le dis. Hein. Ça la change, visage, je trouve, cette tenue.
Ça la change. Ou c'est le maquillage, je sais pas trop, Non, mais. mais... 3 heures du mat. Ah ouais, va dormir. Ah ouais. Bon, bah, c'est cool. Voilà, on va. Après, on relookera, bien sûr, la pruprune. Alors, il y a quelques soucis. Je m'en doutais. Je m'en doutais, tu retournes dans ta chambre, c'est ta chambre. Toi, tu fais pas une sieste, tu dors. Toi, pareil, tu fais pas une sieste, tu dors. Il fallait bouffer quand je vous ai demandé de bouffer. C'est tant pis maintenant, c'est votre faute. Et lui dort, donc c'est bon. Lui, c'est bon. Ah, je vous jure, hein, ça suffit, hein. Allez, bonne nuit, Nunu. Des bisous, il est bien pose, il est 4h30 du matin, j'enregistre. Et c'est ici que je vais donc arrêter le Nsobiri pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé YouTube. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou tout ce que vous pourrez faire. Est-ce qu'il y en a qui vont faire parler Chantal? Ce sera trop tard. Au revoir YouTube, merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite du Nsobiri. Et autre chose, sinon sur la chaîne, pas de problème. Des bisous, ciao!